Oh la famille, j'espère que vous allez bien. Je voudrais remercier Herminio et Carole pour l'invitation toujours dans la rubrique Culture cubaine. Et je me permets aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui est assez vaste et compliqué, mais je voudrais d'abord et surtout que ça soit en forme d'acclaration au tout début. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la danse qu'on fait à Paris depuis une dizaine d'années assez longue. Ça s'appelle Casino à Cuba et Salsa Cubana à Paris et Salsa Casino et bon, enfin. Alors, je voudrais bien parler de cette danse un peu, mais avant tout, commencer par le principe de que la danse qu'on va parler, c'est pas le nom qu'on utilise pour l'appeler Casino, c'est pas un genre musical. Comme la salsa non plus d'ailleurs. Donc l'appeler salsa cubaine, bon, c'est pour identifier quelque chose qu'on fait depuis un demi-siècle et plus. L'appeler casino aussi, c'est seulement le nom qu'a voulu lui donner un groupe de Cubains dans les années 50 à quelque chose qu'il faisait déjà. Il ne savait pas comment l'appeler parce qu'il dansait cha-cha-cha, le mambo, le rock, et l'indi, il mélangeait tout. Et après, il dit, bon, moi, si ça s'appelle comme ça, on l'appelle ça comment? Et ils sont arrivés à la conclusion de l'appeler casino, qui est né effectivement dans un grand casino à La Havane, et où il y avait des grands orchestres qui jouaient de la musique. Mais quelle musique? Sa musique, c'était le son, le mambo, le cha-cha-cha. Voilà, il y avait des orchestres qui jouaient du rock, du swing, et tout ça, ça mélangeait. Et effectivement, les Cubains dépourvus d'erreur musicale, ils se sont dit, on l'appelle comment? Et ils l'appelaient Casino, parce qu'ils l'ont dansé aussi avec une orchestre très connue, qui s'appelait Casino de la Playa, Casino de la Plage. Donc, un grand casino, qui était un endroit privé, où effectivement, les gens pouvaient y aller, et s'abonner ou y aller une soirée pour un concert, pour un dîner et jouer dans l'occasion. Voilà. Donc en fait, c'était arrivé comme ça. Et c'est à grosso modo, hein, bien sûr, hein, ça c'est vaste de parler de ça. Mais en parlant un peu de comment est née cette danse, effectivement, cette danse est née comme tous les danses en couple, grâce à la valse. La valse est la mère de la danse en couple. Et elle danse en plus tard, et toute sa danse est impliquée dans les danses, effectivement, du 6e, 17e siècle. La contradanse, venue de l'anglais contridance, et effectivement, et du nord, et de la danse normande. Donc, tout ça est né, effectivement, de la valse, est né de la gavotte, du minuet, de la contradanse criolla cubaine. Et tout ça s'est dansé et tous ces moments sont passés. Donc il y a eu un héritage depuis ces moments-là, depuis toutes ces danses et toute sa musique jusqu'à arriver à la musique actuelle, hein, en passant par le jazz, en passant par le rock, le danson et le dansonette, la habanera qu'on a parlé l'autre jour, la contradanse bien sûr. Donc tout ça c'est très vaste, ça s'est perdu dans plus de 100 ans, 12 ans. Donc simplement je voulais aujourd'hui éclairer le mot casino. Et pour vous dire qu'avant tout c'est une dénomination d'une danse cubaine qu'on fait aujourd'hui qui s'appelle salsa, mais ni la salsa ni le casino c'est des jeux musicaux cubains. Ça se danse avec el son montuno, la guaracha son, el songo, que se coema de bambán y formel, como es, esa se danza aussi avec les grandes orquestas de los años 50, Roberto Faz, Benny Moré, Arsenio Rodríguez y encore d'autres. Voilà. Je voulu aujourd'hui éclairer ça pour nous tous. Et pour un autre programme, j'en parlerai peut-être un peu plus del casino, ou je parlerai del son, ou del mambo, ou del cha-cha-cha, ou je parlerai des musiciens, ou des artistes plastiques, ou des scooters, ou des écrivains, on ne sait jamais. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère vous voir bientôt dans la rubrique Culture de Cuba avec nos amis Herminio, Carole et les artistes invités. À bientôt! Ciao!